L'ange numéro 43, Veulia. Il est régi du 24 au 28 octobre. Il est l'ange de la prospérité. Son énergie nous aide à comprendre que la véritable abondance se construit à l'intérieur de soi et que la richesse est avant tout un état de conscience qui ne dépend pas uniquement de l'aspect matériel. L'ange Veulia nous aide à comprendre que la véritable abondance mène à l'altruisme. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Prospérité, richesse, abondance, joie enrichit la conscience. Abondance de sentiments nobles. Fin stratège pour vaincre les ennemis intérieurs et extérieurs. Compréhension du fait que l'argent est une énergie que l'on peut employer à bon ou à mauvais escient. Aptitude à utiliser la prospérité de manière responsable, juste et altruiste. Commerce, affaires, finances, c'est-à-dire système bancaire, comptabilité, etc. Administration, management. Fait tout fructifier, rend service aux autres. Autorité naturelle, confiance de la part des supérieurs. Ouverture de conscience qui libère des motivations obscures et des habitudes vicieuses et pernicieuses. Paix, plénitude. Prépare le futur patronat. Donne inconditionnellement. Visionnaire, faculté de prévoir et de planifier en avance. Philanthrope, compréhension du fait qu'on récolte ce que l'on sème. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Prospérité artificielle et illusoire. Philosophie matérialiste. Gaspillage d'argent et d'énergie. Recherche de paradis artificiels. Discorde, perte de privilèges, ruine, pauvreté. Insécurité profonde, inquiétude face à l'avenir. Avarice, vol, richesse recherchée et obtenue par des moyens illicites. Pense que l'argent peut tout acheter. Égoïsme, égotisme.
esprit limité, borné, aveuglé par le pouvoir personnel. Complexe de supériorité et d'infériorité. Abus de pouvoir, lutte existentielle. Division, séparatisme, révolution, guerre, destruction. Comportement et acte générateur de karma, de problèmes futurs. Endommagement et destruction de l'environnement. Manque d'amour et de sagesse. Mégalomanie. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Abondance. Guerrier. Guerrier de lumière. Luxure. Paix. Douce pensée angélique.